Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va très très bien aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et moi je suis super contente de filmer aujourd'hui. J'ai la patate, j'ai la pêche, j'ai plein de choses à vous montrer puisque ça fait un mois et demi Laura que t'as pas filmé. Donc forcément t'as plein de choses à nous montrer, à nous dire. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'as acheté, les pépites que t'as trouvées. Pour le coup il y a pas mal de choses, voilà, j'ai plein de choses à vous raconter. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo haul sold, haul mode, voilà, les petites nouveautés en termes de vêtements pour la rentrée des classes aussi et la rentrée tout court pour ceux qui travaillent. Je vais vous montrer une pépite que j'ai trouvée. Alors vous allez jamais me croire, j'ai trouvé cette robe au marché. Donc je ne savais pas quoi faire, voilà, je ne travaillais pas et il y avait eu un petit marché près de chez moi et je me suis dit tiens pourquoi pas, il y a peut-être une belle robe. En fait je cherchais une jolie robe pour cet été d'ailleurs que je n'ai toujours pas mise et j'ai eu un coup de cœur pour cette robe. Elle est juste, voilà, elle est juste magnifique. Et c'est celle-ci. Donc en fait je cherchais une robe, vous savez, un petit peu dans l'esprit bohème, voilà, assez longue, assez fluide. Vous savez, les robes qui tiennent pas forcément très très chaud. Et j'ai trouvé, eh bien, cette robe et j'ai eu un coup de cœur. Elle est juste, voilà, elle est juste magnifique. Et la couleur, alors franchement, j'en parle même pas, rouge comme ça, ça pète, c'est trop 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 beau. Donc vous avez une petite ceinture ici pour resserrer et c'est une robe, voilà, une robe très très loose, très très longue. Comme vous voyez, elle est juste trop 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 belle. Derrière, eh bien, se présente comme ceci et je ne l'ai pas encore mis. Vous voyez, il y a encore la petite étiquette. Donc je pense que j'ai une petite soirée de prévu dans pas forcément longtemps. Donc je pense que je vais pouvoir enfin la mettre et je vous ferai une photo Instagram forcément. Donc celle-ci, je l'ai payée 20 €. Donc clairement, pour une robe comme ça, ça vaut grave 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 le coup. Franchement, allez voir sur les marchés puisque des fois, il y a pas mal de petites pépites. J'ai vu plein de robes comme ça dans l'esprit bohème. Clairement, beaucoup beaucoup moins cher que sur les sites où les robes, elles sont vendues 50, 60, 70 €, voire beaucoup plus. Donc ensuite, pour continuer cette vidéo, eh bien au mois de juillet, il me semble que c'était les soldes. Et clairement, c'est la première année où je trouve aussi peu de choses en solde. Il y avait vraiment rien. Je ne sais pas pour vous. Dites-moi ça en commentaire. Mais à part des chaussures, eh bien je n'ai rien trouvé. Et voilà la paire de chaussures. Donc j'ai acheté des Adidas pour changer, encore des baskets. Mais voilà, je me suis dit, pour l'hiver, j'en ai pas assez et en plus c'était à moins 30%. Donc je me suis dit, voilà, c'est une bonne affaire. Donc je me les prends. Et moi et les baskets, c'est une histoire d'amour. Donc c'était obligé, eh bien, que je me procure cette paire de chaussures. Et voici cette paire de chaussures. Donc comme vous voyez, moi ça change pas. Hein. C'est blanc, noir, gris. C'est des Superstars, donc c'est des Adidas. Sont toutes blanches. Je me suis dit, cet hiver, avec un pull blanc ou un pull noir, ça passe avec tout, 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 tout. Et pour le coup, eh bien, je les aime. Voilà, je les adore, ces chaussures. J'ai trop, trop, trop hâte de les porter. Bon, après cet hiver, le blanc, ça va être très, très salissant. Et pour le coup, j'ai eu un coup de chance, mais de fou, de fou, de fou. Il restait que du 38, du 39, du 40, du 41 et j'ai trouvé une seule paire. Il restait une seule paire de 37 et demi. Donc à la base elles étaient à 100 €, donc c'est le prix clairement des chaussures et je les ai eu à moins 30%, donc je les ai payées 70 €. Donc c'est un petit peu, voilà, le craquage en ce moment. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais j'ai fait une folie ce mois-ci. Cette semaine j'ai fait une folie. J'avais envie de me faire plaisir, j'avais envie d'avoir un beau sac clairement pour cet hiver et j'ai, eh bien, craqué. Mais c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, j'en profiterai cet hiver et je suis quand même très très contente de mon achat. Je me suis acheté, eh bien, un jean puisque ça y est, c'est la rentrée, donc on repart vers les jeans. Et vous savez que moi les jeans, eh bien, c'est du bleu, du noir, donc je me suis pris celui-ci. Donc c'est un jean assez slim taille 34, je l'ai payé 19,99 €. Donc clairement les jeans de chez Zara, je les aime beaucoup beaucoup, mais en ce moment je ne sais pas ce qu'ils ont, mais ils craquent. Donc ils craquent au niveau des passants de ceinture, ils craquent au niveau, eh bien, des poches. Donc j'essaye d'aller dans des autres magasins pour voir un petit peu la qualité. Et en plus ce que j'aime bien, c'est que les poches, elles sont un petit peu hautes. Donc ça pourra faire de belles formes avec le petit Stradivarius ici. C'est un super high waist skinny. Voilà, 19 €, clairement, on adore. Donc ensuite, chez Stradivarius, eh bien, je me suis acheté des petits lots de bracelets de cheville comme ça. Donc
Malheureusement, je les ai déjà mis, mais j'ai gardé la petite étiquette pour vous montrer. Donc je l'ai payé 9,99€ et en fait il y en a deux. Donc c'est des petits bracelets de cheville en forme de, voilà, en forme de coquillage. Ensuite je me suis acheté un petit haut, donc pareil, je l'ai toujours pas mis. Donc il faudrait que je sorte un petit peu plus, malgré que je sors quand même pas mal. Je me suis acheté ce petit haut là chez Stradivarius. Donc j'ai exactement le même en noir, donc d'ailleurs je l'ai mis sur Instagram pour celles que ça intéresse. Et vous étiez nombreuses à aimer ce petit haut. Donc il est assez moulant, il y a plein de petits froufrous un petit peu partout. Je l'ai payé 15,99€. Et j'ai pris en taille S puisque quand même c'était très 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 moulant. Donc faites attention puisque moi la taille M était beaucoup beaucoup trop grande. Donc j'ai pris la taille S et c'est parfait, ça me va. Et ce que j'aime bien avec ce haut, c'est qu'il y a un petit pompon et je trouve ça trop 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 beau. Franchement pour cet été c'est canon. J'ai acheté exactement le même en noir que j'ai mis sur Instagram. Et ensuite je suis passée chez Primark forcément. Je me suis acheté un petit pyjama, pareil que je n'ai pas encore mis. J'attendais un petit peu de faire cette vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté ce petit short, donc rien d'exceptionnel, un petit short gris. Je l'ai payé 3,50€ et j'ai pris la taille XS. Bon après l'hiver c'est pas perdu de mettre des petits shorts comme ça. Et je l'aimais bien, il était confortable. Il y a plein de petits pyjamas sympas à Primark, même des petites brassières pour mettre la nuit. Ensuite, eh bien, pour rester dans tout ce qui est odeur, donc vous voyez, j'ai un petit peu changé mon fond. J'ai mis des petites bougies, des petits parfums. Voilà, comme vous voyez, je commence à mettre un petit peu des petites touches marron par-ci, par-là. Pour celles qui ont vu la dernière vidéo, je vous ai expliqué que j'essaye de trouver des petites touches un petit peu marron comme ça, avec du blanc. Et pour que ça sente bon chez moi, eh bien, je me suis repris des petites tartelettes clean coton. Donc vous prenez un petit brûleur et vous mettez une petite tartelette comme ça, clean coton. Et ça sent trop 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 bon. Donc je ne sais pas si elle y est là. Oui elle est juste derrière moi. Une petite bougie ici clean coton. C'est la même odeur et pareil celle-ci elle vient de chez Primark pour celles que ça intéresse. Et ça coûte 2€, donc clairement c'est pas cher et ça sent trop 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 bon. Ensuite je me suis acheté un petit short pareil chez Primark. Donc à la base je voulais le mettre avec le haut blanc et mettre ce short noir. Donc pareil j'ai pris la taille 34 et je l'ai payé 8€. Il se présente comme ceci, donc c'est un petit short assez simple, classe, assez taille haute. Ça passe avec tout, il y a des grandes poches. Par contre derrière il n'a pas du tout de poche comme d'habitude. Voilà, pour celles qui me connaissent très très bien, d'ailleurs je ne sais pas si vous remarquez mais j'en ai là, j'en ai là, j'en ai ici. J'ai encore acheté un parfum. Et oui, je suis faible, je suis faible, je n'y arrive pas. Je me suis dit cet été je n'achète pas de parfum puisque j'en ai un petit peu trop en fait. Donc c'est pas forcément pour me vanter mais c'est vrai que je suis un petit peu une accumulatrice de parfums. Et je me suis dit cet été, Laura, tu n'achètes pas de parfum, c'est terminé. Et au final, eh ben voilà. Donc il est pas cher, hein. C'était un petit parfum de chez Zara. Mais en fait j'avais acheté la petite miniature et j'avais adoré l'odeur et je vous en avais parlé. Et je l'ai payé 10,95€ et c'est Red Berries and Vanille. Et il sent trop 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 bon, vraiment il sent trop trop bon. Et il sent fort, il sent longtemps. Et j'adore cette odeur, franchement je suis tombée amoureuse de cette odeur. Le packaging il est trop trop beau, noir, classe, on peut le mettre dans un petit sac. Voilà. Donc je me suis racheté un petit parfum. Bref, sur ce, j'ai encore acheté une petite chemise. Mais là j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et en plus, c'est ma mère qui l'a remarqué dans le magasin, puisque moi je faisais pas trop attention. Et elle m'a trouvé une pépite. Dès qu'il commence à faire froid, je vais la mettre, puisque j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette chemise en jean. Je ne sais pas si vous allez l'aimer, mais moi je la trouve trop 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 belle en fait. C'est une chemise en jean, mais elle est hyper loose et je l'adore, elle est trop trop belle. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup un petit peu les petits détails de cette chemise en fait. Donc elle était chez H&M, donc à la base elle était au prix de 24,99€ et je l'ai payé 12,99€ et je l'ai pris en taille S. Et voilà, donc derrière elle se présente comme ceci. J'aime bien le fait qu'elle soit un petit peu resserrée ici et qu'elle soit loose tout simplement avec les petits boutons gris ici. Et je vais l'essayer en direct pour, voilà, pour vous faire voir qu'elle est trop trop belle. Bon, je vais crever de chaud mais c'est pas grave, elle est trop trop belle, je l'adore. Donc je ne sais pas si elle y est encore, j'essaierai de voir si sur le site
Elle y est encore en solde. Donc vous voyez, elle est super loose, super ample. J'aime trop les petits détails ici. Je me sens trop trop bien dedans. Je vais pouvoir en mettre un petit pull ou un sweat ou voilà, faire plein de petits looks avec sur Instagram. Et voilà, je suis trop trop contente et bien de cette petite voilà, de cette petite pépite. Donc du coup, eh bien voilà, ma vidéo elle est terminée. Donc peut-être dans une prochaine vidéo, je vous montrerai peut-être mes nouveaux achats en termes de bijoux, puisque j'ai fait un petit peu voilà, flamber un petit peu la carte bleue aussi. Alors je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je fais flamber la carte bleue. J'arrête pas d'acheter, donc va falloir que je me calme un petit peu. Mais je me suis acheté des nouvelles petites bagues, donc il y a celle-ci. Je me suis acheté ce nouveau collier. Mais voilà, ma vidéo elle est terminée. Je suis très très contente et bien de tous ces achats. Je suis très contente de pouvoir vous les montrer et voilà, d'être de retour sur YouTube. Donc j'espère que vous êtes toujours au rendez-vous. J'espère qu'on agrandira et bien cette communauté et bien cet hiver. Donc en attendant, et bien vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais de très très gros bisous et prenez soin de vous. Bye!